au concept. Mon mari soit Cinti H. Musique. One of my most talkable local for me, the time I toss to my fulfillment, my body can jump. With time, it's a muscle, mom, from don't do my work, me, that come is an easel and can't even form. Tsunami, la vie que tu vois n'est pas un plan. La vie n'est pas un bijou dont tout se mentionne au propre. Donc chaque acte que tu poses sur cette terre, il faut que ça soit au propre. Mais ton frère et toi, ce que vous faites m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Pour toi, je suis en train de réfléchir. Je te donne encore 2 ans pour qu'on mette sur pied le projet que j'ai dans ma tête pour toi là. Quant à ton frère, il est déjà comme une bête en divagation qui pavane partout. Ça ne peut pas aller comme ça. Et je ne veux plus qu'il sorte ici à tort et à travers, comme s'il n'y avait pas quelqu'un dans cette maison. À preuve de contraire, c'est moi le seul corps de la basse dans cette maison. Donc, ce que j'ai dit, c'est ce que vous devez respecter. Je te comprends très bien, mais il y a encore quel problème? Le problème, c'est qu'ici, chacun veut faire comme il veut, comme il pense, comme il désire, comme il entend. Ici, c'est le chez moi. Vous devez marcher comme j'ai décidé que ça doit marcher. Vous devez sortir quand je vous dis de sortir. Vous entrez quand je vous demande d'entrer. Vous dormez quand je vous demande de dormir. Vous voyez la télé quand je vous demande de voir la télé. Si vous voulez aller aux toilettes, c'est pas moi. C'est moi qui vous donne l'ordre d'entrer aux toilettes ou pas. C'est moi qui ordonne ce qui doit se passer dans cette maison. Papa, donc tu es sérieux? Très sérieux. Mais vous allez aux toilettes, ça c'est de la dictature. Donc même Malory qui est déjà grand là, il doit respecter tout ça, même pour sortir, il doit te demander la permission. Oui, n'imite pas ce genre de comportement. Hein. La rébellion en outrance que vous voulez mettre sur pied là. Tu es mon cœur du ballot. J'ai des grands projets que j'ai déjà mis sur pied pour toi. Donc reste dans le cadre d'encadrement. Et c'est pour cela que je dois veiller sur toi. Papa, à un certain âge, vous devez nous respecter, nous vos enfants. Parce que c'est à force de comprimer l'enfant que certains enfants deviennent rebelles. Je comprends ton inquiétude. C'est bien vrai, nous avons des devoirs, mais aussi des droits. Tels que le droit à l'épanouissement. Nous devons nous divertir pour libérer l'esprit. Donc vous voulez libérer l'esprit avec la folie que je vous vois faire partout, taper le djembe, le tam-tam, sauter avec les pieds, le magani, magaki, magakwa que vous chantez là. C'est ça libérer l'esprit? C'est ça l'épanouissement? Hein? Si c'est dans ce genre d'épanouissement que vous voulez tous entrer, ça ne va pas se passer chez moi. Mbolé, mbolé, mbolé de quoi? Eh, hey, monsieur, arrêtez-vous là. Maintenant, c'est pour vous. Ah! Encore ce même mot de diverti. Comme la moitié là, c'est déjà percé. Ici chez moi, c'est moi qui commande. Tu sors quand je veux, tu dors quand je veux, tu manges quand je veux, tu vas aux toilettes quand je veux. Tu es sérieux quand tu dis ça? Je suis plus que sérieux. Parce que ici, c'est moi qui décide de ce qui doit se passer ici. Papa, il faut aussi comprendre qu'à ce moment on grandit. Donc, il ne faut pas aussi que nous comprimer. Nous sommes déjà grands. Comment? Tu es devenu le comprimé qu'on comprime dans la boîte. Donc maintenant, il faut ouvrir le comprimé là pour que ça commence à rouler partout. Tu as grandi et tu es encore chez moi. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est à cause de votre épanouissement là, de votre comprimé là. Que vous sautez partout comme des cabris. Vous tapez le tam-tam comme des fous. Vous êtes dans les veillées, vous soutirez les porte-monnaies. Vous nous brandez mal à l'aise. Mbolé, mbolé, mbolé. Que tu es déjà
là-bas dedans. Moi, je ne suis pas dans la paix. Tu vas rentrer dans la maison là et tu attends que je te donne l'ordre quand tu vas sortir. Pour ta gouverne, si un jour je passe en route, je te vois taper sur l'affaire qu'ils appellent Djembe, je coupe tous les doigts là. Parce que je n'ai pas accouché de fou. Cette attitude-là ne va t'amener nulle part. Plutôt, ça va te conduire vers l'AVC. C'est votre souhait, ton souhait. C'est vrai que les jeunes font déjà trop de mauvaises choses. Mais rassure-toi, nous ne fais pas tout ce que tu penses de nous là. Nous savons ce que nous avons à faire. On fait l'effort de ne pas te poser du tort. C'est comme elle a dit, tu peux avoir l'AVC, c'est pas bien. C'est pas bien. Et donc, laisse tranquille, nous on sait ce que nous avons à faire. Ah bon? La mettre unie pour dévorer la proie. Donc c'est moi votre proie que vous voulez dévorer. Donc parce que je vous ai donné une petite liberté, maintenant vous déclarez l'indépendance. Quant à toi, dans 2 ans tu te maries. Oui. Et toi, c'est à l'âge de 30 ans que j'ai commencé à guetter les filles. Ta mère n'avait que 15 ans. Hey. Non, ça c'est un talent de pédophile. Tu vois pas que tu as gâté sa jeunesse. Tu m'as traité de quoi là? Tu me traites de pédophile? Je sens que toi l'école tu la logique et ça va mal se terminer dans cette maison. Tu m'insultes? Non, je ne t'ai pas insulté. Déjà pour te faire comprendre qu'une fille de 15 ans normalement ne devrait pas aller en mariage. Elle doit encore aller à l'école, elle doit fréquenter. C'est à cause des choses comme ça que tu vois l'Afrique comme elle est là. Les femmes sont juste, on sait que les femmes sont juste à bon au foyer et c'est pas bien. Donc c'est toi qui vas venir changer la tradition de ce continent. Une femme est née pour être au foyer, faire des enfants, encadrer son mari. La femme qui a le mariage, c'est pour ça que je suis déjà en train de négocier avec mon ami Mabourmoukoué pour ta petite sœur. Si tu as déjà signé un contrat ou bien tu as déjà pris les choses là-bas, pardon. J'ai signé. Papa va remettre parce que je ne remets pas. Je ne me marie pas. C'est l'école, je fais mon école maintenant. On va voir ça après le mariage, je n'ai même pas dans ma tête. Papa, je veux fréquenter, tu t'opposes. Mon frère est déjà grand, il veut sortir pour se divertir, tu t'opposes. Tu veux même quoi? Là où les gourdins dansent, les calabasses n'approchent pas, hein? Donc toi aussi, tu t'opposes. Tu vas te marier. Papa, je suis contre le mariage précoce. Et tu es précoce. Le poussin qui a mal au grain de maïs est un poulet. Tu vas te marier. Papa, il a déjà commencé à prendre le sucre. Papa va seulement remettre. Tu vois ce que tu as causé? Tu inculques dans la tête de ta soeur l'esprit de rébellion. Est-ce que c'est normal? Tout le terrain que mon Boumoukou m'a déjà promis là-bas, tu crois que je vais l'obtenir comment? Si je n'arrive pas à mettre sous pied le plan d'action qui est qu'elle doit se marier, voulu ou pas? Le jour où moi, avec quelqu'un traversé, c'est de la porte pour dire qu'il vient la prendre en mariage. Je vais le découper. Toi, le caillou, enlève le pied. Je peux lancer le caillou. Ça, c'est quelle mentalité? On ne retient pas la chèvre village avec la corde au cou. Ce n'est pas avec la force qu'on va se comprendre. C'est un dialogue et on trouve tous des solutions. Papa, je te comprends. Je sais que tu crois que la liberté que tu nous donnes peut nous pousser au libertinage. Mais je tiens à te promettre que ce n'est pas ce qui va se passer et ce n'est pas ce qui se passe. Nous sommes conscients de tes efforts. Et nous savons tous que le pays ne peut fonctionner qu'avec des gens consciencieux. Si vous me rassurez de ce discours, je crois que je peux encore vous donner une chance et vous observer. Oui. Je me rends bien que vous me rassurez. Nul ne sait là où la poule pisse. Donc je vous ai à l'œil. En tout cas, va te divertir et que je te décomprime, comme tu as dit. Et toi, je te donne encore une chance. Les 2 ans là, c'est les 2 ans d'essai. Si ça ne marche pas comme tu m'as promis, je mets ma batterie en marche, tu te maries. Mais pour le moment, je te donne encore gain de cours. Fais-nous confiance. Nous te promettons de ne pas te décevoir. Parce que le dialogue, c'est la meilleure arme pour l'harmonie dans la société. Synthèse. 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 Synthèse.